chemin athée. Athée, ça, athée, c'est. Comment dire, voilà. Un athémie, un coup. Un coup frappé. OK ? Avoir ça par rapport à plusieurs situations. Et il y a une forme aussi de tenshinage qu'on fait en chemin athée. On va commencer sur la saisie du relais. On va venir sur le relais. Donc on va le pousser. Et on va rentrer. D'accord ? Donc le mouvement, c'est relativement simple. Hein. C'est 1, 2, et on passe. Essayez de ne pas décoller la jambe arrière. Et engager le ventre en premier, c'est-à-dire amener ici, là. Donc ça, ici, il faut rentrer en même temps. D'accord ? Donc dès que le bras, en fait le bras, il va arriver, il va s'arrêter ici. Vous devez déjà être devant. Hein ? Ne faites pas par exemple 1, voilà, et maintenant, parce que 2, il va frapper. D'accord ? J'absorbe et je rentre. Sur la deuxième forme, vous faites Ibaki. C'est-à-dire, on est ici. D'accord ? Donc, droite-gauche. Et katate. Pas ça. Pas un mouvement comme ça, mais un mouvement comme ça. Il tire vers le bas. D'accord ? Donc là, là. Et on rentre au milieu. Et on vient pousser. D'accord ? La main fait ce geste de là. Voilà. Vous êtes placé. Ça, c'est quand on est bon. Quand on voit venir le coup. Hein? Maintenant, on voit le sel. D'accord? Donc, on va chercher la ligne entre les deux jambes. On va tendre le bras vers le sol pour obtenir le déséquilibre ici. D'accord? Et maintenant, on va passer. Alors, attention, quand vous passez vers l'avant, ici, ne remontez pas votre position. D'accord ? Vous êtes ici, vous restez ici. Voilà, je suis en bas. Et non pas. Sinon, on n'aura pas le temps. Ça, c'est assez redoutable. Là. On est toujours surpris par eux. Le même mouvement avec ce bras que nous avons fait précédemment. Hein. Voilà, donc on est ici, on va chercher la ligne là-bas. Et cette main va monter le long ici de la poitrine pour venir se placer ici. Donc en fait, ça fait ça. Hein. Et la forme en tenshinage, je vais tourner la main différemment. Regardez bien. Ça, on le fait parfois. C'est une question de distance. Hein. Donc on va monter. Mais la main vers moi. Je vais venir l'accrocher ici. Voilà, je percute comme ça. D'accord ? Oh ! Un chinagé. Comme elle a l'intention, avant, de me pousser, ou avec l'intention de tirer vers lui. Par exemple, pour venir me frapper ou je ne sais pas quoi. D'accord ? On va faire deux formes. On va commencer quand il pousse. Je vais décomposer le son. D'accord ? Son. Hop. Continue à pousser. Voilà. Ici. Ok ? Il faut lever le bras suffisamment, suffisamment haut. Parce que si vous ne le levez pas suffisamment haut, en tournant, vous le poussez sur le bras et vous l'envoyez par là-bas. D'accord ? Et ça ne m'intéresse pas spécialement. Je vais faire un mouvement avec les bras. Voilà.
il va tirer maintenant. Je vais laisser venir le pied du côté où il tire. D'accord ? Alors là, regardez bien. Tiens-moi ici. Là, regarde. Tiens bien. Il tire. On déplace le pied ici. Là, ici. Et maintenant, je vais tourner. Tournez jusqu'à ce qu'on arrive ici. Souvent, l'erreur que l'on commet dans le mouvement, on fait ça, on s'arrête là et on rentre. Et là, il n'est pas déséquilibré. D'accord ? Pour pouvoir le déséquilibrer, vous venez ici, tournez la hanche et ramenez ce bras au niveau de votre corps. Voilà. Et après, on rentre. Il tire. Je remets la tête. Ok ? C'est parti dans le même mouvement. Hein, d'accord ? Alors surtout pensez à tourner là. Enfin, des pouces. Hein, on sort de là. On continue à pousser. Je viens ici. Et là, vous voyez. Là. Hop. Et là. Ouais. Levez bien ce bras. Il y a les techniques où on casse le coude avec le cou. Hein, on se sert du cou pour lui casser le bras. Mais ici, l'idée, c'est de lever ici et baisser sur cette épaule. Voilà, pour que ça passe comme ça. Parce que si vous ne baissez pas l'épaule droite, que vous ne faites que lever, et que vous tournez comme ça, vous allez l'envoyer là-bas. D'accord ? Donc c'est un mouvement un peu... Voilà. Pousse, marche, allez, on part. À un moment donné, il faut que je sorte de cet axe. Donc je vais le sortir en déplaçant ma jambe gauche. Voilà, je vais l'expliquer. Ok ? Sur les formes qu'on a vues ici, en tirant, pensez ici, croisez suffisamment cette jambe. Arriver ici, mais ici, vous voyez, je ne suis pas encore. Continuez à tourner, fléchissez cette jambe, tendez la jambe de derrière. Voilà, et là, on arrive dans cette position. Et là, ça va passer facilement. Ok ? Allez. On va aller par l'intérieur. D'accord ? L'idée c'est de renverser l'autre. Hein. D'accord ? Sinon on ne s'en mettrait pas à le pousser. Quoi. Et sur le bras pour le faire descendre. C'est pas une nécessité, hein. On l'accompagne et on vient, d'accord ? On tire à qui ? Et une entrée directe ici. Voilà, on rentre. C'est assez violent, ça, quand on y vient avec enthousiasme. Allez, essayez de le prendre au moment où il va poser son pied. D'accord ?
Fermez bien la bouche quand vous faites le mouvement.